Salut les gens, ici Kevin Valmar pour vous servir avec Alimatsu dans Dragon Ball Xenoverse 2, le Colisée des héros. Première chose que vous notez, la musique. Je l'ai changée, pourquoi? Parce que l'autre, elle m'énervait, mais à un point! À un point, vous pouvez même pas imaginer. Oh là 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 là. Oh là là. Et pour XP ces figurines, là c'est hyper chiant parce que il y a personne qui joue. En tout cas, mon truc à moi, il me détecte qu'il n'y a jamais personne qui joue. Et ça fait qu'à chaque fois, je ne peux pas augmenter en faisant des combats en ligne. Donc je suis obligé d'à chaque fois me faire les meilleurs combats, enfin les combats les plus importants des combats normaux, hein, c'est-à-dire ceux proposés contre l'IA. Voilà quoi, ils sont chiants comme la mort, quoi, surtout Piccolo. Alors là, le mode combat IA contre Piccolo, c'est ultra chiant. Voilà, bon, on va pas perdre plus de temps, hein. N'oubliez pas que pour la tenue d'Alimatsu, hein, j'ai fait une petite liste dans l'épisode précédent. N'hésitez pas à aller voir pour me dire quelle tenue vous voulez qu'elle porte si jamais il y a un Xenoverse 3, hein. S'il vous plaît, merci bien, parce que moi j'hésite vraiment entre toutes les tenues que j'ai proposées là-dedans, parce que je trouve qu'elles sont toutes sympas, mais lesquelles sont vraiment intéressantes, quoi, c'est ça ma vraie question, moi, pour le coup. Allons-y. Bon, si nous voulons attirer l'attention du clan de Freezer, il n'y a pas 36 personnes à qui s'adresser. En même temps, quand tu vois le nom, clan de Freezer, tu sais vers qui on parle. Alors oui, on sait que normalement, Akira Toriyama a dit qu'ils avaient un nom, c'était le peuple des démons du froid. Sauf que ça, vous savez bien que Akira Toriyama n'arrête pas de changer dans Dragon Ball. Il essaie de trouver toujours des nouvelles explications. Au début, je pense qu'il y avait vraiment des trucs, tu vois, du genre, c'était vraiment, vraiment logique. Tout ça, par exemple, Bardock, l'histoire de Bardock, celle qui s'appelle Bardock, le père de Son Goku, vous savez, c'était le téléfilm spécial qui était arrivé avant qu'on voit Son Goku se transformer en Super Saiyan. Ça, par exemple, ça, oui, ça, c'était la planète Vegeta, comment c'était tout ça, etc. C'était sûrement officiel, ça. Mais maintenant, depuis quelques années, maintenant... Je pense que tout ce que fait Akira Toriyama, c'est juste sortir n'importe quoi juste pour faire taire les fans. Très sérieusement, je pense que c'est ça qu'il fait. Je ne vois pas d'autre explication. Parce que là, je serais lui, c'est ce que je ferais à un moment donné. C'est pour que les fans me lâchent avec les histoires de « Oh, puissance, tout ça !» On s'en fout des niveaux de puissance. On est dans une série, une licence de shonen. Shonen ! Ça signifie des combats. Qui signifie donc que, habituellement... Les personnages de type héros, c'est-à-dire ceux que nous sommes censés suivre, ceux que nous sommes censés apprécier et aimer, se battent contre des types qui sont habituellement toujours plus puissants qu'eux, et ils gagnent en puissance contre ces types. Ils gagnent pas toujours, mais ils gagnent toujours en puissance contre ces types. Et le truc, c'est que le plus souvent, le héros principal, ou les héros principaux, s'il y en a plusieurs qui doivent être sur la même tête d'affiche, eh bien eux, leur puissance, elle peut augmenter comme ça, en un clin d'œil, juste parce que justement... Héros, c'est tout, le scénario est logique comme ça. Donc arrêtez de faire chier avec les trucs de niveau de puissance, etc. Ça ne sert plus à rien. C'est un truc qui a été mis durant l'arc de Freezer et durant l'arc Saiyan, si vous voulez, l'arrivée des Saiyans, si vous voulez, hein, pour bien faire vos gros fans hardcore, de niche, tout ça, etc., qui étaient là à Dragon Ball Z à l'origine, moi j'étais là, ouais, on s'en fout de tout ça. C'était un truc qu'ils avaient juste mis là, pour le coup, hein, juste pour montrer qu'en fait, les autres, ils peuvent calculer la puissance, entre guillemets, alors que normalement,
Ça ne devrait même pas exister ce genre de choses, hein. Comment tu peux calculer la puissance d'une personne avec un appareil? Tu peux me donner toutes les explications logiques que tu veux, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que si une telle technologie existait vraiment dans l'univers de Dragon Ball Z, tu penses pas qu'il l'aurait continué à l'utiliser? Voilà. Eh oui. Juste pour checker l'ennemi, pour voir à quel niveau il est de puissance, comme ça l'autre qui a son niveau de puissance, il sait donc qu'il doit donc améliorer son niveau de puissance, si vraiment il doit être amélioré. S'il sait que l'adversaire est trop faible, et ben voilà, il a pas besoin de s'entraîner, donc il peut aller direct. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce machin ne sert plus à rien. Oubliez les scanners, les je sais pas comment vous appelez ces trucs là, qui permettent de détecter la puissance des trucs. C'était juste pour deux arcs qui sont terminés depuis belle lurette, maintenant c'est juste baston, et c'est le héros qui gagne à la fin. C'est comme ça dans tous les shonen. C'est Dragon Ball Z en plus qui a apporté ce truc. Le fait que le héros gagne toujours et ce peu importe s'il a une puissance qui est faible par rapport à l'ennemi et que tout d'un coup il gagne de plus en plus en puissance jusqu'à finir à avoir la puissance suffisante pour vaincre le grand méchant. Voilà. Je ne veux plus jamais entendre parler de niveau de puissance dans Dragon Ball ou dans n'importe quoi d'autre. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas calculer la puissance de quelqu'un. Alors oui, vous pouvez vous dire oui, celui-là il est plus puissant, celui-là il est plus faible, tout ça, etc. Ok. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que chaque personnage, héros comme ennemi, peuvent évoluer, gagner en puissance. Freezer en est d'ailleurs l'exemple, il a réussi à avoir son Golden Freezer lui. Donc vous voyez, ça ne signifie rien les trucs de puissance. C'est juste le niveau actuel du personnage. Mais il peut toujours augmenter si le scénariste, si celui qui crée l'histoire, l'univers, si il décide que ce personnage peut évoluer, il le fait donc évoluer, il lui donne plus de puissance. Une nouvelle transformation, des nouveaux pouvoirs, des trucs comme ça, n'importe quoi, mais vous comprenez l'idée? Hein? Ok. Non, parce qu'à un moment donné, moi ça me fait chier de voir les fans qui disent « Oh là là, Caulifla, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est parce que je n'arrive jamais à retenir les noms japonais. J'ai eu du mal pour Kaba, enfin, il est en français on écrit Kaba, mais en japonais je crois qu'il s'appelle Kyabe, mais enfin bref, on s'en fout. Donc la fille Saiyan qui a pu se transformer en Super Saiyan facilement juste en mettant son énergie dans le dos et qui a pu ensuite passer très vite au Super Saiyan 2. Tout le monde disait oh mais c'est pas possible tout ça etc. On s'en fout. Pourquoi? Parce que si Akira Toriyama décide que cette nana peut se transformer en Super Saiyan 2, alors vous vous taisez et vous l'acceptez. Il n'y a pas d'histoire de puissance ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous offrir des combats épiques, les mecs. Alors oui, vous allez me dire, oh mais c'était pas super épique, on a eu au tournoi du pouvoir. J'avoue, les combats étaient pas tip-top. Mais tout de même, qu'est-ce qui fait que pourquoi vous, plus précisément les gros fans de Dragon Ball, n'aimez pas ces combats? Parce que c'est pas Dragon Ball Z. Vous n'êtes plus des gamins. Et donc, maintenant, vous pouvez juger. Quand vous étiez gamin, vous ne jugez pas. Vous faisiez que regarder et étiez ébloui par tant de combats, c'est tout. C'est tout. Regarde à nouveau Dragon Ball Z, juste une fois, comme ça. En entier, du début jusqu'à la fin. Et je te parle pas de la version Kai, je te parle de la vraie version. La version originale. Tu vas voir, les combats sont chiants, ils sont longs, ils passent leur temps à parler, les niveaux de puissance, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, etc., etc. Et tu verras que, finalement, la mythologie Dragon Ball Z... elle est pas si glorieuse que ça, voilà quoi. Donc dis-toi juste que les shonen, c'est des trucs où ça se bastonne et où le héros peut gagner de la puissance en combattant un adversaire. Et même son adversaire peut gagner en puissance. Soit qu'il a déjà en lui et qu'il a juste gardé histoire de faire un climax ou un truc comme ça. Ou soit, tout simplement, juste parce que, voilà, le mec a réussi à obtenir plus de puissance en combattant justement le héros et qu'il veut surtout pas perdre, et que donc il trouve une sorte de nouvelle volonté pour gagner encore plus de puissance. On a déjà eu ça, donc maintenant, arrêtez de faire vos puristes. De toute façon, les jeunes d'aujourd'hui qui regardent Dragon Ball Super, et je parle des vrais jeunes, pas ceux qui font croire qu'ils sont des fans de Dragon Ball Z, alors que je suis sûr qu'ils ont même pas regardé un seul épisode de Dragon Ball Z, si on en a un seul qui en a... qui a regardé vraiment Dragon Ball Z, putain, t'as dû te faire chier, mec. Donc, voilà, donc... Dragon Ball Z, les soi-disant fans actuels qui sont tous des jeunes qui ont entre 15 à 20 ans et qui n'ont sûrement jamais vu un seul épisode, ils ont dû regarder GT à la limite avec les rediffusions, mais pas plus, voilà, tu ne peux pas dire parce que tu n'as pas vu le véritablement Dragon Ball Z. D'ailleurs, si tu veux vraiment être un véritable fan hardcore, faut que tu commences au tout début, à Dragon Ball. Ah ouais, à l'époque où Son Goku n'était qu'un gamin, avant le Super Saiyan, tout ça, etc. Ah bah là, c'est sûr, là, c'est beaucoup plus chiant à suivre, hein. Mais c'est obligatoire si t'es un véritable fan. Eh oui, mec, c'est ça, c'est... Eh oui, voilà. Si t'es un fan hardcore, t'es obligé de commencer par le tout début. Ah oui, là, c'est sûr que là, hein, tout d'un coup, ça s'arrête, hein. Bah oui, parce que Dragon Ball, c'était très gamin.
contrairement à Dragon Ball Z qui se voulait plus adulte. Eh oui, voilà, hein, là tout de suite, ça calme les nerfs de « Oh, je suis un fan hardcore ». Oh, j'ai passé plus de 4 minutes à parler de ça, sérieux. Bon, on continue, sinon je peux continuer ça pendant longtemps sur Dragon Ball Z et à quel point les soi-disant fans hardcore sont des gros nazes. Sachez juste une chose, ceux qui suivent en ce moment Dragon Ball, donc c'est-à-dire Dragon Ball Super, qui sont jeunes et qui donc n'ont pas cet esprit critique, ils kiffent, eux. Parce que eux n'ont pas grandi avec Dragon Ball Z, ils n'ont pas grandi avec Dragon Ball GT ou même avec Dragon Ball. C'est le Dragon Ball de leur génération. Et ils aiment parce que ça se bastonne. Ils s'en fichent que le héros ait de la puissance, etc. Ils s'en foutent, les jeunes. Ce qu'ils veulent, c'est voir le héros combattre un ennemi puissant. Et c'est ce qu'on a, même dans le tournoi du pouvoir. C'est pas ultra épique comme ce qu'on a pu avoir auparavant dans le passé, et surtout dans Dragon Ball Z, d'après les fans de Dragon Ball Z. Mais, les mecs, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est... Voilà. Je sais pas quoi dire. C'est... Juste, il faut que ça se bastonne. Ça fait vendre. C'est comme ça que s'est vendu Dragon Ball Z, l'animé en tout cas. Et c'est comme ça que se vend aussi l'animé Dragon Ball Super. Ça marche comme ça, les gamins adorent, et voilà. Et ensuite, tu l'as fait. Voilà. Comme j'ai envie de dire, chacun son Dragon Ball. Donc voilà. Et là, j'essaie pas de défendre Dragon Ball Super, parce que moi aussi, j'aime pas trop, à part l'arc de Black Goku et le fait qu'ils ont mis des filles Saiyennes, surtout Caulifla, justement, qui, je l'aimais bien, sa façon d'être, sa personnalité, je la trouvais rafraîchissante, quelque part. Donc voilà. Mais voilà, arrêtez juste de faire vos puristes, sûrement que la plupart d'entre vous n'en êtes pas. Voilà. Pourquoi faut-il toujours que je fasse des discours durant les vidéos Dragon Ball? Ah oui, c'est vrai, parce que je déteste Dragon Ball Z et qu'il y a absolument beaucoup de fans, enfin, soi-disant fans entre guillemets, qui arrêtent pas de dégommer tous les nouveaux trucs de Dragon Ball juste pour faire genre, ouais, je suis un vrai fan, tout ça, etc. Et que je déteste ces gens-là. Et que je déteste les gens qui chaque fois qu'il y a un nouveau truc Dragon Ball qui sort, ils disent, oh ouais, c'est trop génial! Et que derrière, si jamais le truc ne fait pas, par exemple, un truc qui était comme dans Dragon Ball Z, c'est, oh là là, c'est de la merde! Voilà. C'est connerie sur connerie. Je ne supporte pas les fans de Dragon Ball Z. Comme je ne supporte pas les fans d'Undertale. J'aime bien Undertale, mais à cause des fans, je déteste Undertale. Je prends que la route génocide à cause d'eux, hein. Juste pour leur faire chier, là. Surtout avec Sans. Arrêtez avec Sans! C'est juste un putain de squelette flemmard. Il a un PV, c'est le monstre le plus naze du jeu. Alors oui, il te propose un combat ultra épique. Je l'avoue, faut être rythmé, tout ça, etc. Mais... Merdique quand même. C'est juste un personnage qui était là pour faire rigoler. Ok? Hein? Vous arrêtez de dire « Oh, c'est lui l'icône du jeu! C'est lui le véritable personnage intéressant de ce jeu !» Mais fermez vos gueules! Surtout que la plupart d'entre vous ne doivent sûrement pas bien connaître Undertale. La plupart du temps, ceux qui se disent fans d'un truc, ils ont juste regardé 2-3 trucs sur Internet et hop là, ils disent « Hop là, je suis fan !» Alors qu'ils n'ont jamais touché. Ou qu'ils n'ont jamais regardé. Donc... Quand vous dites que vous êtes fan de quelque chose, vous regardez véritablement le véritable projet, ou vous y jouez vraiment, hein, si c'est un jeu vidéo, mais voilà, vous avez compris l'idée. Quand vous dites fan d'un truc, il faut que vous ayez consommé la chose qui vous permet de vous décrire en tant que fan. Pas uniquement un extrait, pas uniquement une vidéo de gameplay. Faut que ce soit de votre propre point de vue. Vous regardez l'épisode en entier, ou vous faites le jeu vous-même, mais vous n'allez pas chercher sur internet l'extrait, ou une vidéo de gameplay, et après dire « Oh ouais, je suis fan de ce truc parce que j'ai bien aimé l'extrait, slash le gameplay !» C'est de la merde, ça, ok? Ce n'est pas un argument. C'est... Voilà. Oh là, sa voix, lui. Je fais pas la voix de Freezer, elle est ultra chiante à faire. C'est... Une voix d'homme, mais qui arrive à aller dans les aigus sans trop y aller. Et j'arriverai jamais à la faire. Le mec qui fait sa voix, je sais pas comment il fait, mais soit c'est sa voix naturelle et à ce moment-là tout va bien pour lui, soit c'est pas sa voix naturelle et alors à ce moment-là je veux pas imaginer les problèmes qu'il a avec sa voix. Surtout que imagine, il doit se péter les cordes vocales à un moment donné. Donc, regardez qui voilà, c'est vous qui lancez ces combats de figurines un peu partout. Oh, vous connaissez le Colisée des héros? À qui penses-tu t'adresser? On ne règne pas sur l'univers sans réseau d'information. Oui, j'ai Facebook! D'ailleurs, le capitaine Ginyu vient de m'apporter quelques figurines. Oui, c'est un gros con qui fait des danses et il fait maintenant des collections de figurines. Si à un moment donné il fait des collections de jeux vidéo ou de poupées japonaises ou coréennes, c'est bon, je le vire. C'est officiel. Je le dis. C'est... Notez-le, vous autres derrière.
si jamais Ginyu prend des poupées japonaises slash coréennes ou des jeux vidéo et qu'il en fait des collections, il doit être viré. Voilà, comme ça je m'en souviendrai. D'ailleurs, quelqu'un pourrait m'acheter un pantalon à la fin parce que j'en ai marre d'être en slip. Fantastique! Regardez ça, Zardon, Doria, j'adore me mater moi-même! Surtout que c'est à moi, bon... Les mecs, rassurez-moi. Quand je suis comme ça, dans cette forme, je suis pas à poil! Rassurez-moi. Ces figurines sont superbes! Même si j'ai un doute là sur le fait si c'est pas une figurine qui fait de l'exhibitionnisme ou quelque chose comme ça. J'ai un peu peur pour ma réputation là. Vous trouvez ces figurines superbes? Ma mère sera ravie de l'entendre! Je suis tout de même surpris de voir que ça se propage aussi vite. C'est le résultat de ces combats grandioses. Ah! Accepterez-vous de nous affronter dans un combat de figurines? Excusez-moi pour le ah, c'est parce que j'ai la voix qui est un petit peu rouillée là pour le coup. Oh, tu oses me défier? Quel insecte vulgaire! C'est bien un insecte, les gars! Je ne connais pas bien les créatures terrestres. C'est... Un humain, est-ce que c'est un insecte? Vite, emmenez-moi une encyclopédie ou quelque chose comme ça, il faut absolument que je vérifie. Le niveau de puissance de ma figurine est de 530 000, exactement comme moi dans l'animé, juste pour faire rêver les fans. Mais en réalité, c'est de la merde. Hein, Valmar peut le confirmer, n'est-ce pas? Puisqu'il a déjà vaincu une figurine comme ça avec Vegeta. Et que c'était bien de la merde. Donc je ne fais qu'en fait me la péter, littéralement. Le puissant Freezer est inarrêtable, même dans un jeu. Permettez-moi d'en faire la démonstration. En fait, je t'ai déjà vu auparavant, non? Bah, je vais lui dire la vérité. Oh, pourquoi es-tu si excité? C'est bon, commençons le combat, c'est parti! J'ai essayé de lui dire que c'est le Trunks qui l'a bousillé sa figure quand il a essayé de faire son retour en étant Mecha Freezer. Oui, vous avez vu, les cartes ont pas trop changé. Hein. Enfin, les cartes, les figurines. Moi, je parle de cartes puisque je suis surtout dans Dragon Ball Heroes, moi. Mais bon. Astuce de combat, la vitesse est démentielle. Essaye de résister aux attaques de ton adversaire pendant que tu décides quelle figurine est éliminée de la classe en premier. Alors attends, justement, il faut que j'abat donc ces figurines-là. Lui, il fait quoi déjà? Plus 500 à des alliés et moins 10. Bon, on va faire ça, hein. Et il me faudrait... ce qui fait pas beaucoup de dégâts, donc ça me fait un peu peur là. Bon allez, on va jouer comme ça et on va espérer que ça fonctionne. Alors pas Gengi Dama, en espérant que je la réussisse dans cette partie là parce que là les combats deviennent vraiment chauds à force. Oui, bon, il passe premier, hein, comme il a dit, vitesse démentielle. Ah oui, t'as donc toujours pas digéré ta défaite dans ce monde, hein. Ah, il fait quand même des dégâts, hein. Bon, lui, il va me taper, c'est sûr, mais... Comme il a dit, d'abord, éliminons les Freezer. C'est vraiment les plus chiants, et je vois qu'il a aussi un Vegeta, donc celui-là aussi faudra l'éliminer parce qu'en fait il rajoute plus 1000 d'attaque, donc ça dérange un peu. Ah
c'est moi ou on se fait pas beaucoup de dégâts mutuellement là? D'accord. Alors. Lui il pourra le battre facilement, donc j'enlève celui-là. Et je vais mettre plutôt celui-là ici, là. Ouais, ce serait mieux, là. Ça, là, niveau attaque, je suis bon. Ah ah, je le savais. Où j'élimine son freezer immédiatement. Ah, il y a pas mal de PV le bâtard. Lui aussi. Bon, ça va, lui c'est beaucoup plus simple. Après le combat IA contre Freezer, je sens que ça va être chiant. Voilà, bon déjà un Freezer de moins. Ah, il me fait mal. Toi aussi tu vas faire mal, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup. Oh, ça va. Ça va, lui c'est de la merde. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, toi, t'y arriveras. Toi. Alors, t'y arriverais aussi, mais il faudrait plutôt qu'on ait de la vitesse ici. Alors oui, je pourrais aller directement frapper Freezer, mais... Il y a son Végéta juste derrière, donc... Ouais. Ouais, on va essayer d'abattre Végéta. Hein. Enfin, je suis pas sûr qu'on va y arriver, mais... Si au moins je peux lui enlever le plus de PV que possible. On a sorti tous les deux le flingue, presque en même temps. Allez hop! D'abord le gamin qui y va, bah d'accord. Ouais, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts le Trunks du futur. Hein. Est-ce qu'il m'attriste quand même chez lui? Parce que normalement c'est quand même Trunks quoi, il est censé avoir la méga classe. Ah, une petite attaque bonus, oui c'est bien. On est débarrassé d'une autre de ces... Voilà. Bon, il reste encore Vegeta. Il va massacrer mon Goku, ça je le sais. Voilà. Et oui, voilà, il fait très très mal. Maintenant! Alors, forcément, il va mettre une carte au milieu. Et c'est forcément lui. Alors, je vais m'enlever lui. Je vais mettre lui là. Faudrait un attaquant. Alors, je vais te mettre toi ici là, et toi tu vas te remettre derrière ici. Voilà. Avec un peu de chance, on abat le Vegeta et advienne que pourra. Ah zut! Oh pauvre petit. Je suis même pas triste pour lui. Ah, ça c'est fait. Allez, maintenant faut s'occuper de Vegeta.
T'aurais pu faire une attaque supplémentaire, ça aurait été pas plus mal. Oh oh, attaque supplémentaire là. Non mais hé hey, attaque supplémentaire, regardez ce qu'il lui reste à peine de vie là. Bon vas-y, massacre mes cartes, allez. Bah vas-y. Ah, c'est fini, au revoir, t'as éliminé 3 de mes cartes. T'es content? J'en suis sûr. Et puis, mais je vais le mettre là. Hein. L'attaque spéciale de Trunks n'est pas très puissante, mais lui, son attaque spéciale à lui, c'est Destruction Symphonique. C'est pas plus puissant que ça en fait. Hein. Bon, bah, on y va donc. Je sais pas pourquoi j'avais que des 100, alors qu'il a même pas de carte qui lui permet de baisser ma vitesse, mais bon. Voilà. Comment est-ce possible? Le grand Freezer vaincu? Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire? Comment oses-tu? Tu vas payer pour ton insolence, misérable vermine! Attends, mais c'est une Saiyan! Oh mon sang, je me fais déjà battre par les Saiyan mâles, mais en plus si je me fais battre par des Saiyan femelles... Ma réputation va en prendre un coup, je crois que je vais faire comme Vegeta et boire au même bar que lui. On parlera de nos problèmes ensemble, je pense que c'est le meilleur moyen pour ressouder nos liens d'autrefois, c'est... Je suis une vraie merde. On ne se bat pas, on ne se bat pas. À cause de toi, je vais tomber dans l'alcool. Puis ensuite, je vais me mettre à fumer. Et puis après, sûrement que je vais me mettre à chercher des prostituées parce que personne d'autre ne voudra de moi. Ensuite, j'essaierai l'adoption, mais ça marchera pas. Alors j'abandonnerai le gamin dans une rue. Le gamin voudra se venger. Il deviendra un Hitman puissance 10 000. Il viendra me dégommer. Ensuite, je deviendrai Golden Freezer. Mais ensuite, il me défoncera en Ultra Golden Freezer. Je raconte n'importe quoi parce que j'essaye absolument de trouver une défense pour essayer de faire une sortie classe. Ouais, 1, 2, 3, texte. Tu as raison, ces misérables barbares ne sont pas dignes de moi. Voilà. Essayons de trouver une phrase qui ait l'air cool pour que je puisse faire une sortie cool et comme ça ma réputation elle est pas trop entachée. J'ai sous-estimé ton potentiel, mais le résultat aurait été différent si j'avais joué sérieusement. Oui, voilà. Trouvons des excuses très bien construites. En plus, je suis qu'en première forme, donc ça veut dire que voilà, j'étais pas à ma pleine puissance. Donc voilà, c'est assez logique que voilà, je puisse perdre. Oui, c'est tout à fait normal. Donc, très sérieusement, la prochaine fois, je viendrai en Golden Freezer et là, je pourrai le battre. Ouais, on dit ça. Les gars, notez. Prochain combat contre cette fille, je devrais me transformer en Golden Freezer. Voilà, comme ça, je suis sûr que niveau puissance, c'est bon. Ok, ouais. Oui, je sais que j'en mets beaucoup trop dans un combat de figurines, mais vous faites ce que je dis. Vous êtes mes laquais ou pas? Avec la puissance de mon armée derrière moi, je pourrais devenir le joueur le plus fort de l'univers. Oui, c'est ça. Je vais demander à toute mon armée de me donner leurs figurines. Comme ça, je suis sûr d'avoir une bonne connexion. Je pourrais réussir à me faire un bon deck. Ensuite, j'essaierai des stratégies. Je m'entraînerai avec comme coach, je sais pas moi, Yu-Gi-Oh. Oui, Yu-Gi-Oh, c'est un grand expert des duels. Donc, je pense que ce serait bon. Ouais, ce serait pas trop mal. Ouais. Je pense que là, c'est bien parti. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Bien entendu, je suis impatient de voir vos prochains combats. Très bien, je ne montrerai aucune pitié lors de la revanche. Oui, je vais faire ma petite pute. Je vais rester derrière un mur et ensuite je vais commenter de façon ridicule. En attendant d'être le dernier, pour faire genre oui, je suis le vrai méchant, mais je vais me faire bouter par Goku, encore une fois. Comme dans Dragon Ball Super, ça marche bien dans le tournoi du pouvoir, donc je vais faire exactement pareil. Je vais rester dans mon coin, je vais faire des commentaires débiles sur comme quoi les autres sont puissants, tout ça, ça m'intéresse, ça me fait rigoler, tout ça, blablabla. Ça sert à rien, je ne sers à rien dans l'histoire. Je suis juste là pour être un méchant qui va apparaître comme ça, qui va faire un coup dans le dos. Tout le monde le sait en plus, hein. Personne n'est...
n'est surpris hein, par ce genre d'action chez moi, parce que tout le monde me voit comme prévisible. De plus, les gens en ont marre de me voir ressusciter, donc très certainement que cette fois-ci, je ne ressusciterai plus. Enfin, à moins que Akira Toriyama décide de me sortir à nouveau pour réussir à ce que le fan service soit de puissance 10 000 et comme ça, il puisse réussir à faire du bon chiffre au niveau des ventes, oui, oui. Ou alors ce sera la Toei Animation qui lui demandera de faire ça, oui, très certainement. Oui, 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 j'ai des plans maléfiques, je suis méchant. Je vais tellement boire, les mecs. Grande nouvelle, il paraît que le Seigneur Freezer va aller au Colisée des Héros. Ça alors, si c'est comme ça, il faut qu'on se prépare, nous aussi. Ça devient intéressant. Je vais commencer ma collection de ce pas. C'est juste le Colisée des Héros, je sais. Mais je pourrais peut-être battre Freezer. Ouf, nous avons aussi. Nous avons parlé du jeu aux principaux groupes de guerriers. Ça nous a pris pas mal de temps, hein. Mais le Colisée des Héros va devenir le sujet de toutes les conversations en ville. Ma mère va être contente. Merci encore pour ton aide immense. Eh bien voilà, donc vous voyez les gars, Bulma veut me parler pour la suite des événements. Donc la prochaine fois c'est vers elle qu'on ira, mais d'abord j'irai faire le combat contre Freezer version IA, c'est-à-dire pas version entraînement combat comme ce qu'on a fait, non, un vrai combat où je ne pourrais pas prévoir à l'avance les coups, où je vais devoir essayer vraiment de réfléchir de façon très stratégique pour réussir à vaincre Freezer. Et je sens que ça va être chiant ça. Bref, donc voilà. Donc sur ce, les majeurs à plus, portez-vous bien, mangez les gogoïnes, c'est la suite, et ciao ciao. On se retrouve donc pour un prochain épisode de Dragon Ball Xenoverse 2, le Colisée des Héros avec Alimatsu.